Le test nous prenons avec deux tests en ligne. Le premier test.
Et les ennemis
au milieu à lumière. L'incendie passait au milieu et l'incendie était lapidé. Mais par la foule crachait sur eux. On vient jeter des œufs, à lumière vient jeter des émettifs. En fait, c'est de cette même manière lorsque la porte-poil est partie à Rome. En fait, c'est une analogie pour dire que de la même manière les Romains arrivaient à vaincre les ennemis, c'est comme ça que Jésus a vaincu Satan. Est-ce qu'on peut dire la même foi? Amen! Amen! Alléluia, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voyez, nous avons eu deux tests. Amen. Dans le premier test que nous avons eu, la Bible dit que l'œil a déhancé. Et lorsque l'œil a déhancé, alléluia. Amen. Satan, voilà, il a attiré un tiers des anges avec lui. Ils ont combattu, et la Bible dit que mon père n'a vu peur. Parce que Michael, alléluia, qui est le chef d'état-major de Dieu, il a combattu contre Satan et contre les anges qui sont affiliés à lui, et la Bible dit que Michael a eu la victoire. Alléluia. Et quand il a eu la victoire, il était précipité. Alléluia. Ici, la partie qui me plaît, la partie que je veux utiliser, c'est le verset 12. La Bible dit que le diable est descendu animé d'une grande colère. Animé d'une grande colère, sachant qu'il reste un peu de temps. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un que lorsqu'on parle de colère, on parle de la nature de Satan. On parle de la nature de Dieu. Alléluia. Amen. La nature de Dieu, c'est l'amour. Dieu est manifesté par l'amour. Dieu est caractérisé par l'amour. Alléluia. Amen. Dans le 545, à partir du verset 8, que Dieu est lent à la colère, mais il est plein d'amour. Le cœur de Dieu est plein d'amour. La Bible dit que Dieu, dans le livre de Romains, a poussé son ami à son paroxysme. Lorsqu'il est descendu, il a pris la forme de l'homme, il a payé le prix pour les hommes. Alléluia. Amen. On dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le cœur de Satan est un cœur qui est rempli de mal. Le cœur de Satan est un cœur qui est rempli de mal.
Chemin sur le long de la colère, il y a la rancœur. Long de la colère, il y a la jalousie. Long de la colère, il y a la silence. Alléluia. Amen. Vous devez caractériser Dieu par la nuit et caractériser le diable par la nuit. Amen. 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 Maintenant, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que ils ont la bouche. La conscience était ce que vous faites. Alléluia. Amen. Quand on parle de ce que vous faites, Alléluia, ce que Alléluia, c'est un don. Ça veut dire que voyez, le monde est ténèbre. Maintenant de la sorcellerie ne connaît que la malédiction. Ils ne connaissent que l'enfantement. Ils ne connaissent que la sorcellerie. Ce qu'ils connaissent n'est que l'hypocrisie. Ce qu'ils connaissent n'est que la ruse. Les sorciers ne connaissent que ça. Amen. Et si vous savez que tout ceci a un pacte avec Satan, si vous savez que le sorcier fait un pacte avec le diable, et que le diable donne donner pour agir, c'est que le sorcier épouse la nature de Satan. Donc si Satan a repris le pouvoir, ça veut dire que le démon de sorcier sorcier n'a plus le pouvoir. Yes. Alléluia. Amen. Maintenant vous devez savoir une chose. Amen. Amen. Dieu est limité par sa nature. Alléluia. Amen. Dieu est limité par sa nature. La Bible dit qu'en Dieu il y a été même des variations. Le cœur de Dieu, dans le cœur de Dieu, ne peut pas trouver la haine. Elle ne peut pas trouver la jalousie. Elle ne peut pas trouver la rancœur. Alléluia. Dans le cœur de Dieu, elle ne peut pas trouver la méchanceté. Amen. Quelqu'un l'a dit, mais aussi Dieu se met en colère. Alléluia. Amen. Et si vous devez savoir que la colère diabolique et la colère divine sont différentes. Amen. Alléluia. Amen. Dieu se met en colère afin de redresser ses enfants sur le chemin de la vie. Dieu se met en colère afin de ramener ses enfants à lui. Mais le diable se met en colère pour détruire. Jésus dit dans le livre de Jean 10 que le diable est venu flamant, il est venu écorcher et il est venu tuer. Yes. Alléluia. Amen. Il est venu détruire. Donc ici, je ne parle pas de cette colère sainte
Amen.
de Dieu. Amen. La main de Dieu n'est pas contre nous. Amen. Alléluia. Et donc, mon fils là, lorsqu'il avait 12 ans, alléluia, sous prétexte que la mère de ma fille ne pouvait plus garder l'enfant, elle a envoyé l'enfant. Alors que l'enfant était en mission. Amen. Amen. Et la femme avait 12 ans, et la 12 ans était enceinte. Amen. Et même quand la femme arrivait, elle était tellement contente. Elle allait à la fin de l'église et toutes ces choses avec les amis. Mais quand l'enfant était en mission, alléluia, l'enfant est puissant dans les amis, et puis il jetait ça dans la maison. Il est puissant dans les amis, il jetait ça dans la maison. Il est puissant dans les amis, il jetait ça dans la maison. Quand sa maman se plaignait, il puissait, et à un moment donné, la maison sentait tellement pipée que le cœur de sa mère était irrité. Sa maman avait pris une chance. Alléluia. Amen. Et donc, sa maman lui a dit, N'est-ce pas studio, mais la même petite cour de vie. Amen. Donc, sa maman était tellement irritée que sa maman a mis l'enfant dehors pour dire qu'elle ne peut pas se faire changer. Et elle a mis à l'intérieur. C'est un erreur qu'il ne fallait pas. Alléluia. Amen. En fait, c'était ce qu'il ne fallait pas. Lorsque la mère a poussé à l'enfant, alléluia, automatiquement, l'enfant déclenchait les hostilités. Et ma fille est restée pratiquement 4, 5, 6 jours sans dormir. C'est le 7e jour qu'elle m'a appelé. En arrière, le 122 a pleuré de la tête du papa. Si tu ne viens pas, je meurs. Et donc, je lui ai demandé ma fille à pleurer. « Ah, il n'est pas sûr que dites le père. Ça fait 7 jours que je n'arrive pas à faire une maison. » Alléluia. Amen. Et donc, je vais te faire le dernier passé. Elle est arrivée avec lui à la place. Et quand elle arrive avec lui à la place, après le tout, les émotions comment je dis à l'enfant que la femme a été placée. Il voulait mieux, alléluia, amen. Ici, Nathan va mourir tout de suite là. Je ne dis pas demain, maintenant il va mourir. Et la femme, il a dit à la femme, il reconnaît l'autorité du Seigneur qui est sur la vie. Il va se confesser. C'est comme ça que l'enfant a commencé à se confesser parce qu'il était ma fille que malheureusement, heureusement pour toi, si tu n'arrivais pas et je l'ai pris à l'église du milieu parce que ton âme a été déjà capturée et ton âme a. Et actuellement, ils sont dans une dispute
de comment est-ce qu'ils vont faire tout de suite. Alléluia. Amen. Il est fort qu'on se mette une âme transformée l'âme de sa maman en zèle. Qu'il fallait maintenant tuer la mère. C'était le temps maintenant pour la tuer. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, moi j'étais un enfant, mais comment est-ce que tu peux aller jusqu'à tuer ta mère? Regarde, tu es un petit orphelin. Tu n'as que ta maman. Ta maman a sa prostituée pour toi. Et j'ai pris mon atout et se battre pour que vous ayez une vie normale. Alléluia. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est comme ça que l'enfant explique que c'est la maman de sa maman qui lui a donné la sorcellerie? Alléluia. Amen. 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 Et un point
mère, il y a le moment où il partait pisser dans la bassine d'eau. Ça veut dire qu'il faisait tout pour ses nerfs. Et donc, il a demandé à mère, c'est quoi la couleur? Il a demandé qu'un chrétien manque de sens au niveau spirituel. Ce qui va faire ton bichon, ce qui va faire ton archi-bichon, ce qui va faire la. Mais si la source arrive à te lever, que tu te mets à l'air, c'est fini. Tu perds ta couleur spirituelle et tu me l'as agis. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je vous parle de la couleur ce soir. C'est pour ça que je vais parler à quelqu'un ce soir. C'est pour ça que je vais attirer l'attention de quelqu'un ce soir. Écoute-moi bien, la main du Seigneur. Un enfant de Dieu ne se met pas en colère. Nous, on passe le temps